c'est dans une ambiance purement théologique que Monseigneur Jean-Pierre Kouambamba Massi, évêque du diocèse de Kenge, célèbre la collation des ordres mineurs non ordonnés de lectorat et d'acolyta aux grands séminaristes de 2e et 3e théologie, ainsi que de Port-de-Soutagne pour la première fois, de tous les grands séminaristes de première théologie du grand séminaire interdiocésain de Saint-Cyprien de Kikwit, parmi lesquels 11 du diocèse de Kenge. Une célébration eucharistique animée par la chorale Maranatha de Kikwit a vu la liturgie très bien respectée avec la présence de tous les chrétiens catholiques venus de la ville de Kikwit et d'ailleurs. Dans son homélie, le pasteur de l'église locale de Kenge, Monseigneur Jean-Pierre Kouambamba, commence par féliciter ceux de première théologie à porter cet habit ecclésiastique toute leur vie et invite tous les grands séminaristes et chrétiens à être des selles partout où ils seront avant d'appeler l'autorité compétente à vite trouver la paix sur la RN17 axe Mongata-Bandundu secouée par le phénomène Mobondo. On ne pourrait qu'en être content, rendre grâce au Seigneur et aussi remercier les jeunes, les encourager, les féliciter pour leur disponibilité. Et par ailleurs, nous sommes contents également du grand nombre de nos fidèles qui encouragent ces jeunes, et nous l'avons vu, le grand nombre de personnes qui ont participé à cette Eucharistie, c'est signe que l'Église est vivante et on ne peut que rendre grâce au Seigneur. Les atrocités continuent encore sur les plateaux des Batekés. Mais d'autre part, nous sommes reconnaissants à notre gouvernement, au président de la République, à nos forces armées, puisqu'il y a eu une intervention de nos forces armées à Massiambio. Et un bon nombre de fidèles, en tout cas on a pu épargner nos fidèles des atrocités des groupes rebelles. Mais également, on a pu évacuer nos prêtres et nos religieuses qui sont là. Malheureusement, il y a encore ces atrocités, comme je le disais, dans une bonne partie de notre diocèse, là, dans le plateau de Pateké. Nous ne pourrons que demander, solliciter l'intervention des autorités compétentes afin qu'on puisse mettre fin à cette situation. C'est malheureux, c'est dommage. Il y a beaucoup de morts, il y a des gens qui sont obligés d'abandonner leur maison, leur champ, pour aller vivre en déplacé ailleurs. C'est une situation insupportable. Occasion pour Monseigneur Jean-Willy Kindanda, recteur du grand séminaire Saint-Cyprien de Kikwit et vicaire épiscopal de Kikwit, remercie le père évêque de Kenge pour sa disponibilité et souligne sa joie en ce terme. Notre grand séminaire forme vos futurs pasteurs et nous sommes heureux de constater à travers votre présence combien vous tenez à la qualité de cette formation. Toutefois, n'oubliez pas d'aider, d'encourager et de prier continuellement pour eux et pour leurs formateurs et pour leurs travaux. C'est le meilleur soutien que vous puissiez leur témoigner. Notez que c'est par un repas sacré copieux dans tous les groupes des 5 diocèses du Grand Bandundu que l'homme de miséricorde et Gaudium, Monseigneur Jean-Pierre Kouambamba, un véritable pasteur, a encouragé ses futurs prêtres à mieux cheminer avec le Christ, car tous nos 5 diocèses comptent sur eux.